Hello tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Objectif Première Place. Et aujourd'hui, eh bien, éliminé, comment ça éliminé? J'ai pas été éliminé moi, non. Alors, du coup, bon, vous devez le voir, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais du coup j'ai pas opté pour le facecam parce que j'aime pas du tout comment ça rend. Déjà je suis pas bien éclairé, j'avais pas le bon angle, j'ai essayé de faire un espèce de montage dégueulasse. Bon, ça m'a pas plu. Du coup, bah, je préfère rester sans le commentaire, mais j'ai quand même ce joli micro. Du coup, vous devriez mieux m'entendre pendant ces quelques vidéos. Aujourd'hui, donc c'est le Grand Prix de Malaisie. Voilà, donc j'ai fait mon petit tour de chauffe pourri, et puis on va essayer de partir, essayer de faire quelque chose de mieux que 20ème. Donc on va essayer de pas casser une pièce, parce que si on casse une pièce, c'est fini, c'est terminé, on est mort. Donc, eh bien, partons. Je veux pas changer de vue, j'aime bien ma vue. Voilà, ça c'est ma vue. Bon, on va essayer de déjà finir devant Mary. On va essayer, je vous garantis rien, mais on va essayer. On va essayer de faire quelque chose de bien. Alors là par contre, le virage à droite, je m'y suis pas trop bien pris. Hop là! Allez, on plonge à la corde. Pardon, merci. Alors, j'ai déjà fini un premier, hein. Vous avez n'ayez pas peur. Hein. Je suis pas non plus le plus haut des mauvais. Je me débrouille. Alors j'en ai marre qu'ils me touchent les autres. Je me débrouille. Bon, vous avez vu mon niveau exécrable, mais je me débrouille quand même pas trop mal. Alors là on est plutôt bien parti là. Est-ce que je vais avoir le dépassement illicite? Non, j'ai pas le dépassement illicite, c'est parfait. Je touche un petit peu, mais je suis pas non plus le plus grand des professionnels. Alors l'autre avec sa transe à côté, mon constance, il va me casser les couilles. Alors je sais pas si parce que du coup, faut qu'on parle de quelque chose pendant cette vidéo. Si vous, les grandes villes, ça vous attire, moi, pas spécialement. Après, ça dépend des quartiers, je pense, aussi. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, surtout aujourd'hui en fait, le mec d'à côté m'a complètement cassé les couilles, certainement qu'il doit m'entendre en plus. Enfin quoi qu'avec la musique, la puissance qu'il met, je ne pense pas. Mais surtout quand celle-ci, c'était encore de la bonne musique. Je dirais bon, tranquille, j'écoute la musique avec lui, il n'y a pas de problème. Mais là, sa putain de transe, elle va con. Alors, je suis pas contre hein, la transe des gars, mais putain, écoutez-la pour vous, quoi. On n'est pas obligé de partager votre calvaire, merde. non, la trance c'est pas mon truc. Autant j'aime beaucoup les musiques électroniques, mais pas la trance, vous voyez ce que je veux dire. Enfin non, vous voyez pas, mais j'aime bien autre chose. Le reste en fait, mais pas ça. Du coup, voilà, votre trance, gardez-la pour vous et évitez de faire partager tout le monde. Alors, par contre, là on est pas mal là. Raikkonen, tu veux éviter de me faire faire un tête-à-coup. Ouais, oh là là, collision avec Raikkonen, je lui fais un petit bisou sur les fesses, c'est rien, c'est pas grand chose. Je veux dire, bon, si je lui avais mis un gros tampon, ok, mais là c'est pas le cas. C'est maintenant en 5ème position, non, jure, oh là. Par contre, du coup, j'ai enlevé les certains sons du jeu et vous n'avez pas les voix des gars. Super, hein, vous êtes content. Non, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Ouais, je fais un petit peu de ratissage, hop. Non, allez, pousse-toi, hop là. Là, je t'ai niqué. Et là, ouais, là, je t'ai un peu niqué. Pas grand chose, mais un petit peu. Joli, à te voir, on croirait presque que c'est facile. Et ouais, en difficile en plus, pas si facile. Alors, Bottas, je vais te remonter, je vais te manger. Je vais te manger, mon petit. Faut juste que j'arrive à prendre les bonnes trages et à pas perdre trop de vitesse dans les. Voilà, genre pas ça. Donc j'arrive juste à réfléchir et à savoir quand est-ce que je peux accélérer pour essayer de leur prendre l'avantage. Et donc du coup, avertissement sortie de route, non mais j'y crois pas, j'ai rien fait, je suis juste sorti de la route. En même temps c'est ça qu'on me reproche, mais là, je vais certainement me faire attraper. Alors par contre moi en ligne droite je me fais toujours bouffer, je sais pas pourquoi. Non, en général c'est par l'aspiration, mais je veux dire des fois il n'y a personne devant eux, il n'y a personne derrière. Je me fais quand même bouffer. Ça, allez savoir, je sais pas. Alors dans cette course, il n'y a pas tellement d'endroits où je peux lui bouffer niveau de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une seconde sur 89, c'est pas top. Il faudrait que j'arrive à pouvoir activer le DRS dans certaines zones. Alors là, peut-être. Il est serré ce virage. Non, pas pour le DRS, hein, pour essayer de lui pousser. Il
faut que j'arrive à accélérer plus vite que lui et du coup à le bouffer. Mais ça va être compliqué. Par contre, les deux devants sont super loin. Pour les bouffer, eux, ça va être une autre paire de manches. Allez. Allez, prends la Spyro, je sais pas, fais quelque chose. Je fais l'intérieur, je m'en bats les couilles. Ah, mais non. Alors regarde, là il y a une technique pour ça. Bon, mais là j'ai pas réussi. Tout à l'heure j'ai réussi. C'est qu'on le laisse passer, pas de problème. Et ensuite, juste au moment où il est passé, vous accélérez. Enfin, vous essayez de garder la même vitesse que lui pour réaccélérer et pour le dépasser. En fait, au moment où il a doublé. Pour le redoubler. Enfin, c'est toute une technique en fait, les gars. C'est compliqué à expliquer. Voilà. C'est la technique by me, quoi. Et putain, je sors encore. Ça m'énerve. Attends, j'ai qu'à mieux conduire. Il faudrait qu'on y arrive hein, une fois à être premier. Mais le problème, c'est que si je baisse la difficulté, c'est trop facile après. J'ai fait plein de courses en étant premier, quoi. Et du coup, c'est pas rigolo. J'ai trop. Il va bouffer. Non, tu vas pas passer. Je vais pas. Ils sont pas si loin, les gars, devant, hein, mais pour les rattraper, ça va être costaud, quoi. Allez. Je sais pas en fait quand je l'active et quand je l'ai pas. Non, mais ta mère. Carrément. Bon, déjà, si on arrivait sur le podium, ce serait cool. Pas gagné encore. Hein. Pas gagné parce que les deux autres devant ils sont mais à l'autre bout du monde quoi. Deux tours il reste mais vraiment l'autre bout du monde. Enfin ils sont pas si loin que ça si tu regardes bien mais j'ai l'impression qu'ils sont à l'autre bout du monde quoi. Allez Vettel. Faut pas que j'arrive à doubler mais légalement parce qu'en général je suis pas très légal comme garçon. Et putain j'ai pas encore réussi. Aïe. On va essayer de pas se faire niquer par Raikkonen surtout. Et ouais, putain, c'est pas assez large. Ok, bon, Bottas il m'a gonflé. On va bouffer. Mais Bottas. Voilà. Et hop là, allez, je t'ai défoncé. Blablabla. Faut pas que tu me fasses niquer comme un bleu. Ok, donc le prochain objectif c'est Hamilton. Mais bon, Hamilton est très loin. Ça va pas le faire, je pense. Ou alors il fallait avoir un truc pour avancer dans le temps, ou, je sais pas, de la nitro, genre en mode for speed. Ça serait cool. Tu fais de nitro là, dans la ligne droite, pas 400-500 km/h, allez. Faut pas rêver non plus. D'ailleurs, j'ai regardé la conférence tout à l'heure, alors bon, ce sera des jours décalés, hein, mais j'ai regardé la conférence tout à l'heure de IE. Oui, j'étais au travail, c'est vrai, c'est pas grave, hein. Écoutez, chacun travaille comme il veut. Donc j'étais au travail, j'ai regardé celle aussi d'hier, bon ce sera il y a peut-être une semaine, mais celle d'hier qui était celle de... celle d'avant, avant hier, Microsoft, voilà. J'ai regardé, alors Microsoft c'était assez sympa, c'est une conférence qui a duré pour 1h30, c'était assez sympa, ça a résumé plein de trucs. C'était... Ouais, voilà, je crois que c'est une bonne description. Non, mais au final, s'il y a un truc qui était ouf, c'était le gameplay de Battlefront dans les combats aériens. Ça, c'était ouf. Là, j'ai presque bandé tout le jeu. Sinon, à part ça, non, c'était pas terrible. Need for Speed, on a vu des vidéos avec Ken Block et tout, on s'en branle. On a vu des cinématiques, hein, concrètement. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Si, il y a le petit jeu Unravel, là, qui a l'air sympathique. Bon, c'est vrai que c'est un peu enfantin. Le mec qui parle, on dirait qu'il va se chier dessus à chaque fois qu'il passe sur scène. Ça fait déjà deux fois. Le mec, il qui pleure. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, son jeu, même si lui, ça a l'air d'être une petite fiotte, sans insulter. Mais, oh putain, ça va. Ouais, ça a l'air sympathique, c'est assez sympa parce que ça met un peu de la réflexion. Non. Mais vous voyez ça? Ça c'est pas permis ça. Voilà, bon bah j'ai perdu la course. Vous l'avez compris, hein. Voilà le gros problème de CF1 2015, c'est cette connerie.
ces fils de pute qui te défoncent littéralement si tu fais. Non, ils arrivent, tu tapes dedans, stocka, bats les couilles. Putain! Voilà, là j'ai les boules. Bon, du coup, comme je vous disais, sur. Bon, c'est pas grave, on a fini 9ème, c'est con, mais j'aurais pu finir 3ème. Mais ouais, c'est. Bon, la conférence était pas top, durée 1 heure. Ouais, on aurait presque pu s'en passer. Nico Rosberg a totalement dominé aujourd'hui et l'Allemand finit sur la plus haute marche du podium. Bon, ben voilà, pour cette vidéo, on a voulu finir 3ème, on s'est fait défoncer à la fin par cet enculé de Bottas. Je t'aime. Et du coup, ben voilà, ben, on s'est fait niquer, c'est tout, hein. C'est tout. Objectif atteint, super. Moi, mon objectif, c'est premier. Il faudrait que j'arrive au moins une fois sur les 20 vidéos ou les 10 vidéos que vous voulez. Voilà, puis ben, écoutez, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Oui, moi, japonais, thaïlandais, indien, ce que vous voulez. Et du coup, ben, portez-vous bien. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous si ça vous a plu. Redemandez-en si ça vous a plu. Et puis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. À bientôt.